retour dans N'oubliez pas les paroles. Valérie, pour l'instant, notre maestro, celle qui est 15e, est installée dans le fauteuil. Celle qui est 18e, c'est Héloïse. Elle est en tête. Bonsoir. En tout cas, en tête de ce match, si tu te dis que les huitièmes de finale sentent un peu le cramer, en même temps, c'est Kevin qui attend la suivante. Mais moi, je voulais rencontrer Kevin. Je vais te le présenter, il est très gentil. 20 points d'avance, tu peux aussi obtenir la possibilité de chanter pour 20 000 euros, ce qui est quand même pas une petite affaire. Voici la même chanson, Héloïse. Est-ce que cette autre histoire... Vache. Pourquoi la vache? Je l'ai beaucoup révisée, mais elle est piégeuse. Au 192e mot, tu sais que tu pourras chanter pour 20 000 euros. Ça, c'est la première bonne nouvelle, mais surtout ne t'arrête pas, on ne sait jamais ce qui se passera après pour elle. C'est parti pour l'autre histoire d'Héloïse. T'as dit on oublie tout, donc c'était aussi un signe. Je sens qu'elle n'est pas prête pour la vanne. Ok, Cruella. Elle a dit on oublie tout l'ail, il fallait dire on oublie tout, tous les nuages. Ah, bah oui, c'est on oublie punaise, tout. Punaise, tu veux dire pardon, punaise. Ouais, oui, punaise, non. Ah, mais en plus, je la connais par cœur. Je suis dégoûtée. En fait, parce que c'est très stressant d'être ici, et quand on est dans sa bulle, T'as un peu l'habitude. Non, franchement pas. C'est très stressant. Vraiment, je tremble de ouf. Je suis pas bien, mais je suis très contente d'être venue, et merci. Libérons Valérie. Alors, voici le score d'Héloïse. 8e que quoi qu'il arrive, tu es qualifié en 8e de finale face à Kevin. Bravo pour ça! Parce que tu avais pris une belle avance avec 152 points d'avance sur la première. Mais malheureusement, la première fois, tu étais, Héloïse, tombée sur une chanson que tu ne connaissais pas. Là, l'inconvénient, c'est qu'elle n'avait pas fait sa bulle. Elle n'était pas isolée, donc elle a manqué de concentration sur une chanson que tu vas chanter. Quand même, parce que il y a quand même l'enjeu de chanter pour 20 000 euros. Il faudrait que tu atteignes le 85e mot pour pouvoir chanter. Ça dépend de la chanson, oui. Ça, c'est une autre histoire. Quel suspense. Je respire. Je me mets en condition. Veux-tu une bulle? Une bulle? Oui, il faudrait une bulle. C'est parti pour Valérie.
Ah oui, ça monte, hein, ça monte. C'était très joli que vous preniez la main toutes les deux parce que on sent, à défaut de parler d'une amitié, c'est peut-être important, une amitié, mais en tout cas une complicité, une franche camaraderie. Ah, j'étais très contente aussi de jouer contre Héloïse et j'avais peur, elle me faisait... Bah, t'avais battu surtout déjà. Oui, c'est ça. Je sais que voilà. Et ben là, c'est la vengeance maintenant, le retour. C'est match au retour, il faudra revenir l'année prochaine pour vous départager. Ouh. Voici le score de Valérie. Avec une victoire dans la première manche, une victoire dans la deuxième, et puis au cumul des deux manches. Ça va être gênant. Ah oui, non, c'est sûr. Non, ça va être violent, mais... Ah si, ça va être gênant. Non, il y aura 160 points d'écart. Oui. Voilà. Voilà, tu vois. Bim, à peu près, à peu près. Bravo. À l'année prochaine alors. Bah oui. Très vite, au prime et puis en tournée, en concert, on verra la vie de certaines bonnes choses. Ça va être l'éclate. À très vite, Héloïse. Merci, ciao.